Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre à décorer selon la technique du poncif, la même technique que pour décorer les faïences. Et à l'occasion du 1er mai, je vous propose de réaliser une assiette avec un brin de muguet. Alors, pour réaliser ce tuto, il va nous falloir notre support, des assiettes en carton, un motif. Moi, je suis allée sur un site internet dont je vais vous donner l'adresse et j'ai imprimé un coloriage du 1er mai. Il va nous falloir également du papier calque ou papier cristal. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'en avez pas, faites comme moi. J'ai utilisé tout simplement du papier de cuisson pour la cuisine. Il nous faudra également un petit objet pointu, alors à utiliser bien évidemment en présence des parents. Moi j'ai pris une épingle à chignon, deux crayons, crayon à papier, crayon bic, et également un petit peu de charbon que l'on va placer dans un vieux collant, dans un ancien collant. Et pour la décoration, vous avez le choix, crayon feutre, crayon gras ou même peinture. Alors, on va d'abord reproduire le motif qui est sur notre feuille blanche, sur le papier calque ou le papier de cuisson pour créer donc le poncif. On ne peut reproduire que les principaux éléments que nous souhaitons voir figurer sur l'assiette. Le dessin terminé, nous allons maintenant percer des petits trous sur les traits au crayon papier que nous avons reproduits sur le calque. Alors, cette opération est à réaliser en présence d'un adulte. On peut essuyer des petites aiguilles ou des petites pointes selon ce que vous avez. Et on va poser des petits trous d'à peu près, tous les à peu près un demi-centimètre, c'est-à-dire tous les 5 mm, ce qui va nous permettre d'avoir la forme en pointillé sur notre poncif. Maintenant, nous allons prendre une assiette en papier, en carton, et puis je vais donc travailler ma décoration avec le poncif. Le papier de calque que nous avons préparé, je vais le poser délicatement à l'intérieur pour répartir le motif. Et quand j'ai trouvé son bon emplacement, je vais prendre notre petit sachet de charbon et frotter délicatement sur chaque petit pointillé que j'ai réalisé. Maintenant que notre poncif est terminé, que les décors sont en pointillés sur notre assiette, il suffit de terminer les traits. Alors moi j'ai pris un feutre vert pour réaliser notamment le brin de muguet, mais vous pouvez utiliser aussi de la peinture, des crayons gras, des crayons de couleur, des paillettes colorées. Nous avons largement le choix.
Notre assiette est désormais terminée. On peut y coller également des petites décorations, des petits papillons. Et puis la présenter dès vendredi sur la table. Donc ce tuto de décoration selon la technique du poncif, celle de décoration des faïences, vous a été présenté par le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne. Vous pouvez le reproduire à volonté. Je vous souhaite une bonne journée. Merci.